Bonjour à tous, bonjour Bonjour, Nassima. bonjour madame. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique particulièrement difficile. Le thème que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui dans les psychoses concerne un enfant sur dix. C'est un véritable fléau. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'aborder la question de l'inceste. Tout à fait, madame. Le sujet est lancé. C'est un sujet lourd, comme tu l'as très bien dit, mais il était de notre. Enfin, pour nous, il s'agissait d'une responsabilité de De le traiter devoir. urgemment. Nous en dirons plus lors de la deuxième partie. Pour l'instant, place au témoignage. C'est une jeune fille qui nous écrit aujourd'hui. Merci encore. Merci de vous mettre à nu pour un thème aussi délicat, vraiment. Alors. Quand j'ai su que vous alliez traiter de cette thématique, j'ai voulu apporter mon témoignage. J'ai subi des attouchements de 8 à 13 ans de la part de mon père. Durant toute cette période, je n'en ai jamais parlé à personne, car je me sentais coupable et j'ai fini par l'oublier sans m'en rendre compte. C'est la confidence d'une de mes amies qui a fait remonter tout ça à la surface. Le souvenir a été tellement violent que j'ai décidé de consulter. L'accompagnement m'a permis aujourd'hui de briser le tabou. Et c'est pour encourager cela et toutes les victimes à faire de même que j'ai choisi d'en parler. Merci de me donner cette occasion. C'est un lourd témoignage, Ne pas s'empêcher effectivement. d'être quand Touché. même touché et ému à chaque fois lorsqu'il s'agit de cette problématique. Et vraiment, encore une fois, merci parce que merci d'avoir le courage d'en parler, de briser le tabou, pour reprendre les termes. On voit qu'effectivement, à travers ce témoignage, que cette personne, elle a pu dépasser Voilà, c'est positif dans ce sens-là. ce crime abominable, puisqu'elle est passée du statut de coupable. Elle n'a pas osé en parler à personne parce qu'elle était dans une culpabilité, elle avait honte et pensait qu'elle était coupable de ce qui lui était arrivé. Et elle est passée donc de ce statut de coupable à victime. C'est Et ça. c'est souvent ce qui se passe, c'est toujours la première étape à franchir. Exactement, madame. D'ailleurs, c'est ce que dans l'accompagnement qu'on propose quand des personnes viennent et ont subi l'inceste, c'est de sortir de ce statut de coupable et réaliser qu'elles ne sont que victimes. À aucun moment, elles n'ont suscité ou aguiché, parce que parfois certaines pensent que c'est Le elles terme est fort, effectivement. qui ont attiré la proie vers elle. Et donc, c'est vraiment comprendre que non, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes que des victimes. Et donc, cette personne, elle a pu se libérer parce que elle a compris, elle a intégré qu'elle était victime. Alors, justement, elle le dit très bien. Elle en a pas parlé pendant de nombreuses années. Elle dit même qu'elle a fini par l'oublier sans s'en rendre compte. Ça, c'est là. Alors, très souvent, effectivement, les victimes que l'on reçoit sont des personnes qui brisent le tabou, mais bien longtemps après. Parce que très souvent, c'est très compliqué de briser le tabou, d'en parler à sa famille pour de multiples raisons. D'abord parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être cru. On a peur d'être prise pour un menteur, une Aussi. menteuse. C'est souvent ce qui revient hein, dans les consultations. J'ai peur qu'on ne me croie pas. On a peur aussi de briser la famille, de briser les relations familiales, se dire si moi je parle. Là, c'est en plus là dans le témoignage, c'est le père, donc c'est horrible. C'est quand même un pilier de la famille. Parfois aussi, c'est des relations plus lointaines, comme l'oncle maternel, comme ou paternel, comme le grand-père, comme j'ai pu avoir le cas. En tout cas, des relations qui sont proches ou le cousin. Mais dans tous les cas, souvent on retrouve cette attitude de la victime de se dire je n'ai pas envie de briser ma famille. Si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Va s'effondrer. Voilà. Là, j'ai envie de dire, il ne s'agit pas pour vous de porter ce que vous plus lourd que ce que vous portez déjà. Vous êtes victime et c'est pas en plus à vous de penser ce qui va se passer dans la famille. Peu importe ce qui se passera dans la famille, ça c'est la responsabilité du coupable, j'ai envie de dire, de l'auteur de ce crime, d'y penser avant de le faire. Ce n'est pas à vous de porter cela. Donc ça c'est important parce que quand la personne se décide enfin à parler, parce que c'est déjà en soi, comme tu viens de le dire, madame, un énorme pas. Eh bien, il faut aussi être là pour pouvoir accueillir la parole. Et accueillir la parole, ça commence par croire la personne, avoir de la bienveillance, donner de l'importance à ce ressenti et surtout lui dire, comme l'a dit madame, elle a déculpabilisé, mais dans un autre sens cette Ah fois, non, la par rapport à la victimisée, famille, là. en disant, ce n'est pas ton affaire que la famille soit brisée ou que les liens soient rompus. Tu souffres et c'est à nous de donner toute cette place à ta souffrance. Effectivement, dans le cas de cette personne, beaucoup d'études ont montré qu'en moyenne 30 ans plus tard, la personne, elle brise ce tabou, la vérité éclate, soit, effectivement, ça montre la force du psychisme qui va développer des mécanismes de défense Exactement. tels Ah, on l'a pour vu, hein. pouvoir refouler tout ça pour que la personne bah, puisse tenir psychologiquement. Mais l'inceste, c'est une destruction psychique. C'est un meurtre psychique. Appelons-le comme C'est il est. une mort, c'est une mort Et psychique et d'ailleurs, sociale, très c'est souvent. l'interdit
qui est universelle. C'est d'ailleurs ce que disait Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, il disait, mais c'est l'interdit dans toutes les cultures, toutes les civilisations. L'inceste est complètement banni. Donc c'est que le fait de le vivre, c'est une destruction psychique. On n'insistera jamais assez sur l'importance de cette destruction psychique que l'enfant va vivre. Et donc c'est toute une réparation, une reconstruction. Il va devoir renaître de ses cendres, cet enfant qui a subi ça. Donc c'est d'autant plus terrible, parce que c'est un crime, c'est abominable. C'est que l'enfant, quand il vit cette agression, donc il suffit d'une seule fois. Hein. Vous savez, l'inceste, ce n'est pas tant dans la répétition. Là, pour le cas de cette personne, c'est sur quand même une certaine période. Mais il suffit d'une seule fois pour que le meurtre soit commis. Donc, ce qui est donc d'autant plus terrible pour ces enfants qui vivent l'inceste. Donc, ce n'est pas, c'est quand même un proche, donc là, un père. Donc, le père qui est censé être la protection, qui est la personne de confiance, la figure d'attachement, et qui, d'un coup, bascule dans le monstre, la personne qui procure du mal, qui détruit. Donc c'est, pour l'enfant, il y a une confusion telle qu'il détruit. C'est double peine, en fait. Parce que l'enfant subit ça de la part de son père. Donc c'est la mort psychique, comme tu viens de le dire. Et en plus, elle doit vivre sans repère. Sans père et sans repère. Complètement, elle perd tout. C'est double peine, en fait. Tout est chamboulé, tout est complètement perturbé. Et c'est d'autant plus douloureux pour un enfant. Comme je vous dis, il ne sait pas ce qui lui arrive. Vous savez, une personne, non pas que je minimise, mais loin de là, quelqu'un qui vit quelque chose d'épouvantable comme un viol, elle sait ce qui lui arrive. Une jeune fille de 13 ans, 15 ans, elle sait que c'est un viol, elle sait qu'on n'avait pas le droit de d'avoir une conscience. Elle en a conscience. Mais un enfant, quand il lui arrive, quand il subit ce qu'il vit, il ne comprend pas ce qui se passe. Jeune, tout à fait. Il sent au fond de lui qu'il y a quelque chose de grave, que ça ne se fait pas. Mais il ne comprend pas, parce que généralement, ça se passe par le jeu. Viens, je vais te donner telle chose. Viens, on va jouer, on va faire ci. L'enfant ne comprend pas. Et donc, il est tellement perdu, il ne comprend pas que ça ne se dit pas. Et donc, généralement, l'adulte, qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? Il le tient dans le silence, il l'enferme dans le silence en lui faisant comprendre qu'il n'a pas à le dire. Et donc, c'est quelque chose qui se met entre eux, et l'enfant grandit dans ce silence, dans cet enfermement-là. Alors, lui dit que c'est un secret. Oui, c'est un secret à partager, qu'ils partagent tous les deux et qu'il n'a pas à en faire part. Exactement. Mais d'où l'intérêt, du coup, d'éduquer très tôt l'enfant à son corps, au rapport à son corps, au rapport à sa sexualité. Très tôt d'expliquer à l'enfant que la sphère de l'intime, elle est infranchissable, peu importe les raisons, peu importe le contexte, peu importe la situation. Et aussi de l'expliquer que, voilà, donc toute personne, adulte ou non, parce que ce n'est pas forcément des adultes, qui la franchirait, on doit pouvoir en parler. Si déjà on a mis en place ce dialogue-là avec son enfant, si on a fait en sorte qu'il était libre, qu'il n'était pas justement plein de tabous et qu'il ne se faisait pas dans la gêne, alors l'enfant va venir plus librement en parler à ses parents. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que c'est aussi aux parents de faire ce travail-là en amont, premièrement, et puis aussi de pouvoir être disponible et d'être observateur vis-à-vis de son enfant. Parce que très souvent, les enfants qui sont victimes d'attouchements, d'inceste ou autres, changent de comportement. Il y a des changements dans le comportement à observer. Que ça soit au niveau de l'école, souvent faites attention quand il y a des changements à l'école de comportement, est moins attentive en classe, est plus dans le rêve. Il y a aussi au sujet, tu parlais de ça, du poids, le corps, le rapport au corps qui change. Il y a l'état dépressif, des cystites. En tout cas, il y a des choses. Il y a des signes pour celui qui sait bien chercher. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque et de se dire à chaque fois qu'il y a un changement, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, observer son enfant, c'est aussi savoir voir tous ces signaux d'alarme que son corps nous envoie. Et ça, c'est très, très important. Mais c'est très tôt. Effectivement, Nassima, c'est réparer. C'est dur. Le mieux, bien sûr, c'est d'être dans la prévention. Ah oui, dans l'amont, tout à fait. Et donc, c'est très tôt. Pour moi, 3 ans, déjà. L'enfant à 3 ans, il sait déjà. Il a déjà lui donné déjà ce sens de la propriété de son corps. Plutôt, très comprendre tôt, déjà. Comprendre qu'il n'a pas... Il peut s'habiller. Quand il s'habille tout seul, quand il peut aller aux toilettes tout seul, quand il... Ça, c'est tout... C'est comprendre son tout intimité, rapport. Son rapport à lui-même, son corps, personne n'y a accès. Mettre la ligne. Contre sa volonté. Personne ne peut y avoir accès contre sa volonté. Exactement. Et donc, c'est très important. C'est toute cette éducation sexuelle, elle commence par là et très tôt. Et c'est pourquoi, quand on voit des personnes... Quand on a des témoignages, on en reçoit énormément dans notre cabinet. Et détrompez-vous, beaucoup de musulmans vivent cette problématique dans tous les sens, que ce soit des hommes, des femmes, toutes les... C'est souvent le cercle familial, hein, aux proches, voisins... Vous savez, le danger, on croit souvent qu'il est à l'extérieur, mais il est à l'intérieur, dans les foyers.
C'est un véritable fléau. En termes de statistiques, véritable... Mélème, on est d'ordre de 70% dans le cercle familial amis proches. Ah, mais c'est voilà. C'est rarement des étrangers. C'est... Donc voilà, c'est, en fait, justement, on dit l'éducation encore, mais l'éducation. Quand c'est le père, justement, qui vient franchir ça, c'est aussi aux parents de mettre la limite et à la maman aussi d'être attentive, parce que souvent, voilà, les mamans complices, hein, les mamans qui ferment les yeux parce que c'est le conjoint, les mamans qui claquent la porte, qui abandonnent leur enfant dans leur souffrance psychique en disant je ne réponds plus de rien, c'est mon conjoint, je ne vais tout de même pas aller m'interposer. Eh bien si, en fait, à plus forte raison lorsque c'est le conjoint. Et complètement. Et ce qui est d'autant plus difficile à entendre, Nassima, c'est quand on a des personnes qui ont vécu exactement la même situation que cette personne. Donc père, mère, qui a abusé d'elle et qui se retrouve dans un conflit dit religieux et dans une pseudo-loyauté en disant que je dois le bon comportement à mes parents, je dois de garder le lien avec eux. Mais là, c'est, on les enferme dans quelque chose, elles sont doublement victimes, on les a tuées psychiquement et là on les tue à nouveau. Ah oui, parce que faire croire à quelqu'un qui a été victime de ce genre de crime épouvantable, qu'en plus de ça, il va falloir avoir un bon comportement et garder le contact, parce que ça, c'était un témoignage qu'on avait eu, te dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à aller visiter mon père qui était dans l'inceste, qui a commis l'inceste à mon égard? Mais vous vous rendez compte quand même? C'est-à-dire qu'on oblige, comme dit Malem, la victime à la double peine. C'est vraiment une horreur sans nom qu'on en soit là, à nier. Bon, là, on est dans le déni. Pour moi, on est dans le déni de la souffrance. Et puis aussi, comme on l'a dit au début, oui, chez les musulmans, ça existe. Cessons de nous construire un monde comme ça de bisounours, où chez les musulmans, tout le monde est parfait, tout va bien. Non, c'est faux. Les musulmans restent des êtres humains à part entière. Donc arrêtons d'angéliser cette communauté. Ce sont des êtres humains. Donc appelle aussi à tous les responsables pour parler de ces sujets-là, en fait. Et cesser la culpabilité. Et aller plus loin. Vous avez, tout le monde a une responsabilité. Les parents ont une responsabilité, donc par rapport à l'éducation sexuelle, comme on disait tout à l'heure. Exactement. 8 ans, comment se fait-il qu'un enfant à 8 ans n'a pas ce rapport à son corps? 1. 2. Par rapport aux parents, ce qu'on soulevait à l'instant, oui, les responsables religieux ont une responsabilité, une grande responsabilité. Tenir un discours qui force la personne qui a subi l'inceste à aller, à continuer ce lien avec ses parents, c'est la tuer doublement. Et vous savez, l'inceste, c'est la pire des injustices. Et quand on se tait face à cette injustice, c'est qu'on en est complice. Et ce n'est pas parce que les parents ont commis cette injustice que cette justice devient acceptable. Mais bien évidemment, ça devient quelque chose. En fait, on l'accepte parce que c'est fait par les parents, mais elle est autant à condamner si ce n'est pire, puisque ce n'est pas le rôle des parents. Maintenant, on s'interroge la vraie question, c'est la nature du lien avec le parent. Le parent qui fait ça à son enfant, nous, ça nous paraît abominable, mais en fait, c'est parce que la nature de l'amour qu'il porte à son enfant n'est pas un amour sain. Ça aussi, il faut l'entendre. Tout parent n'aime pas de manière saine son enfant. C'est une illusion de croire que tout parent aime de manière saine son enfant. Donc l'inceste est un véritable, vraiment quelque chose sur lequel il faudrait pouvoir en parler. Quand j'entends de mes patientes qui viennent et qui m'en parlent et qui ont entendu une fois, un prédicateur en parler, pour elles, ce n'est pas suffisamment. À chaque fois, on leur renvoie qu'elles sont coupables. Elles se sentent coupables, elles ne peuvent pas en parler. Et le premier pas, justement, pour pouvoir sortir de cet enfermement, c'est de pouvoir en parler. Briser le tabou en parlant. Et puis aussi, j'ai envie de dire, dans un monde idéal, le top, ce serait de travailler en amont aussi avec cette personne-là, parce qu'avec ces personnes-là, ces personnes qui commettent ces crimes, il y a une vraie problématique avec le rapport à la sexualité. Ah, et ça aussi, on fait mine de ne pas le voir, parce que la sexualité, c'est tabou, parce que la sexualité, c'est en privé. Mais lorsque c'est au détriment d'une personne qui en souffre, ce n'est plus une affaire de privé. Il faut en parler. Il faut éduquer à la sexualité très tôt aussi, rapport au corps et à la sexualité. Et beaucoup d'études ont montré que justement les personnes maltraitantes, donc celles les agresseurs, ont été désagressées. Exactement. Je ne dis pas que tous les agressés vont être des agresseurs. Ça, s'ils en parlent, justement, ils brisent cette chaîne. Souvent, en tout cas. Mais les agresseurs ont été désagressés. Ça. C'est évident. Il y a eu un rapport malsain. En tout cas, il y a eu un rapport à la sexualité. Donc, brisons le tabou. Merci encore pour ce témoignage courageux. On vous encourage vraiment à sortir du silence. Je sais que ce n'est pas simple. Et souvent, c'est le corps qui parle. Hein. Parfois, on vient nous voir pour des symptômes qui n'ont rien à voir. Et puis, en creusant, on arrive à découvrir des choses immondes que la victime cache en elle parce que c'est clivant, parce que c'est difficile de vivre avec ça. Donc, soyons de ceux, pas que les professionnels, tous ensemble, soyons de ceux qui pouvons accueillir la parole et pour pouvoir l'accompagner au mieux, loin de la culpabilité soi-disant religieuse. Merci. Nous allons passer à...
à la deuxième partie, Inch'Allah. Aux questions-réponses, à tout de suite. Mon fils et ma fille de 13 et 14 ans dorment dans la même chambre et ma soeur pense que c'est malsain et j'aimerais bien avoir votre avis. Merci. Alors, encore merci pour les personnes qui prennent le temps de poser ces questions et puis on essaye comme d'habitude de vous donner au mieux des pistes de réflexion. Donc effectivement, se pose là la question... Notre frère et sœur. Il y a le terme malsain en fait qui m'a piqué un petit peu. Est-ce que c'est malsain? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit poser question. Ça ne doit pas couler de source, en fait. En plus, 13 et 14 ans, c'est quand même des âges où on est dans un bouillonnement hormonal. On se cherche, la puberté, le corps, il change. Est-ce que c'est une bonne idée de les mettre dans la même chambre? Après, je le pose en termes d'interrogative parce que peut-être l'organisation de la maison ne peut pas être difficile. Mais en tout cas, on invite quand même, et c'est aussi l'avis de notre prophète, à cette OSM, de séparer un maximum et de pouvoir donner son intimité à chacun. Ou en tout cas, d'avoir un bon dialogue avec chacun pour rappeler tout ce qu'on vient de dire, le rapport au corps, etc. Voilà, exactement. De toute façon, qu'ils dorment dans la même chambre ou pas, Exactement. Ça les concerne et ça n'économise pas tout le travail à faire sur l'éducation sexuelle. D'autant plus, elle a d'autant plus lieu très tôt, cette éducation sexuelle, et mieux c'est, effectivement, plus les enfants sont avertis à ce niveau-là, et les choses sont claires. Donc, dans la question, en fait, on n'a pas assez d'éléments, si je puis En tout cas, on n'attend pas 13-14 ans. On ne sait pas si ça a toujours été le cas, en fait. C'est ça. Est-ce que depuis toujours, ils ont dormi ensemble? Et donc, ça coule de source. Ouais. Et voilà, et donc c'est la sœur, donc c'est la tante finalement qui pose la question. Qui fait la remarque, en tout cas la maman qui pose la question. Mais du coup, ça a toujours coulé de source, ça se trouve, on n'a pas d'autres éléments, je suis navrée. N'hésitez pas à nous donner plus d'éléments si vous voulez qu'on soit un peu plus précise quant aux éléments de réponse qu'on pourrait vous donner. Mais pour ma part, on ne sait pas s'ils ont toujours dormi dans la même chambre ou pas. Si tel est le cas, effectivement, rien n'empêche de d'avoir une discussion avec eux. En tout cas, il faut pas attendre 13-14 ans. À leur rapport à leur corps, effectivement. C'est bien avant, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Mais en tout cas, c'est jamais trop tard. Voilà. Pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui, et si vous estimez que vous ne l'avez pas fait suffisamment, eh bien, ce n'est pas trop tard. Voilà. Parlez-en. Parlez à vos enfants, parlez de tout ça, parlez de cette sexualité. De leur bouillonnement, de leur pensée. Et en tout cas, on ne sait pas si c'est malsain, c'est peut-être un peu fort, étant donné la situation, il n'y a que vous qui pouvez le voir vraiment. Mais en tout cas, ne soyons pas dans la naïveté, soyons dans le réalisme. Ils sont en train de vivre quelque chose de compliqué, donc il faut absolument en parler. Complètement. Merci à vous. Merci Nassima. On passe à la deuxième question, veux bien ? Donc on enchaîne. J'ai vécu des attouchements pendant mon enfance. Dois-je t'en parler à mon mari ? On est dans toute autre chose. Ah, complètement. Là, du coup, la personne, on ne sait pas si la personne en a déjà parlé. En tout cas, la personne se pose la question. Donc, cette personne qui a eu le courage, encore une fois, d'en parler, de poser cette question. Doit-elle en parler à son mari? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. On le retrouve souvent en consultation. Est-ce qu'elle en a parlé à quelqu'un d'autre que son mari? Ou est-ce que la personne en a déjà parlé? Parce que ça compte, en fait. Est-ce que la personne s'est fait accompagner par un professionnel? Elle se pose la question. C'est de poser à son mari? Ou est-ce que c'est la première fois qu'elle en parle et son mari sera le premier à savoir tout ça? Ça fait toute la différence parce que ça ne va pas être reçu de la même manière. Quoi qu'il en soit, selon moi, un sujet aussi important que celui-là qui touche à la sexualité, à l'intime, au rapport au corps, il me semble inévitable d'en parler avec son conjoint. Mais avant ça, avant d'en parler, c'est important que la personne elle sorte du statut de coupable. Il faut qu'elle soit convaincue que c'est une victime. Et du coup, elle pourra en parler à son mari. Justement, quand la personne hésite à en parler. Vous savez, quand on hésite de parler de quelque chose, c'est qu'on se sent coupable. On a peur que ça va changer quelque chose. On a une culpabilité qui nous ronge. On a peur parce qu'on se dit quoi? Il va penser que je suis coupable. C'est ça. Donc, à partir du moment où vous vous sentez réellement victime, vous êtes convaincu à 200% que vous êtes victime, là, vous pouvez en parler en toute tranquillité. Quand vous êtes victime de quelque chose, on en parle aisément. C'est quand on sent. Il y a l'once d'une culpabilité qui rôde encore dans votre tête que là, vous allez avoir des difficultés à parler. On a peur aussi, excusez-moi, madame, mais je pense qu'aussi, on a peur de voir changer le regard de l'autre. Peut-être que son mari jusque-là la regardait différemment et puis là de dire ça, hop, ça va changer son regard, ça va changer son regard sur sa famille. Si ça concerne sa famille, ça va changer son regard sur ses voisins. Je ne sais pas qui est concerné, mais en tout cas ça va changer. Et je pense que c'est ça qui fait peur. C'est important, effectivement, si la personne est dans un statut de victime, ça sera moins délicat. Mais c'est aussi important que la personne, elle puisse vraiment comprendre que de toute façon, si ce n'est pas dit, ça sera dit
autrement. Si ce n'est pas dit par la parole, ça sera dit autrement. Encore une fois, le conjoint, la personne avec laquelle on a la plus intime, c'est le langage des corps, des cœurs. Donc, à un moment donné, il va y avoir malaise. Donc, ça serait dommage, encore une fois, et là, on redit ce qu'on a dit tout à l'heure, que la personne, elle soit dans la double peine, c'est-à-dire qu'elle doit garder ça pour elle et en plus vivre mal peut-être sa sexualité ou mais pas aller au bout des choses. C'est parce que, justement, il y a un problème au niveau sexuel avec le conjoint. C'est que le déclencheur. Là, la question se pose. Ouais. Effectivement, le corps a une mémoire. C'est la même zone qui est stimulée, c'est la même zone qui est... Et du coup, effectivement, il y a tout, ça va réveiller énormément, énormément de souvenirs. Donc c'est important d'en parler. Maintenant, comment le faire? Effectivement, il faut que le mari soit suffisamment réceptif. Il ne faut pas que ce soit dit suite à un conflit de plainte, je ne sais pas, de la part du mari, parce que... Dans le feu de l'action, on a un problème au niveau de notre sexualité, et puis on le justifie comme ça. Voilà, tout à fait. Donc, non, prenez le temps d'en parler. Trouvez le moment propice, idéal, pour que votre mari, quand votre mari est réceptif, pour lui en faire part, soyez convaincu de votre statut de victime et votre mari doit être en mesure de pouvoir... réceptionner ce lourd secret que vous décidez de partager avec lui. Il y aura changement. Maintenant, c'est l'après, Nassima. Il y aura changement. C'est l'après qui est aussi... Oui, c'est ça, l'après. Après, c'est la réaction du mari qui est dans une réaction de... Non, mais parfois, le mari veut se venger, veut faire justice à son épouse. Je pense que c'est ça la peur aussi de la femme. C'est de se dire, il va changer, il va vouloir agir. En fait, c'est naïf de croire qu'il n'y aura pas changement. Il doit y avoir changement. J'ai envie de dire, il doit y avoir changement. C'est une situation qui nécessite un changement. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Vous ne pouvez pas continuer à rester dans le déni, à porter quelque chose d'aussi lourd. Maintenant, c'est à vous de dire à votre mari, voilà les choses. Mais moi, à ce niveau-là, je ne me sens pas prête que ton comportement change à ce niveau-là ou que tu veuilles agir à ce niveau-là. L'idéal, sans prêcher pour notre paroisse, c'est de se faire accompagner quand même par un professionnel, histoire de temporiser la chose, déjà individuellement, si c'est la première personne à qui on en parle, pour ensuite pouvoir le délivrer à son conjoint. Et sinon, en couple, c'est comme ça m'est déjà arrivé de recevoir les couples aussi pour pouvoir les accompagner vraiment dans cette douloureuse épreuve. Complètement. Que Dieu vous accompagne. On vous remercie pour votre écoute, comme d'habitude. On reste nous-mêmes, si d'autres témoignages ou questions-réponses peuvent se faire encore une fois sur notre page Facebook. Merci à tous pour vos témoignages et questionnements. Merci de nous faire avancer tous ensemble. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés, surtout à vous-même.